Initier les gardiens de la tradition au digital et à la maîtrise des technologies de l'information et de la communication, telle est la vision du représentant résident de l'Institut africain d'informatique au Cameroun. Une volonté matérialisée par la signature d'une convention de partenariat entre son institution et le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Cette prestigieuse organisation panafricaine des chefs traditionnels avec qui on a signé une convention de partenariat. Je pense que le président de cette organisation a donc cette capacité aujourd'hui de conduire cet arrimage à la modernité des chefs traditionnels. Et de ce point de vue, je pense que nous sommes heureux, l'Institut africain d'informatique est très heureux de faire partie de cette nouvelle détonation du monde traditionnel. Réunis dans le cadre d'une visite de travail, ces chefs traditionnels des nationalités diverses s'engagent à mettre les outils des TIC au service des hommes de tradition et de culture. Nous avons besoin de cet outil informatique, cette ceinture qui aiderait tout le peuple partout, femmes, enfants et hommes. Plus tôt dans la journée, Armand Claude Abanda, apôtre des TIC dans la région de l'Extrême Nord, a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté, le Lamido de Maroua, Bakary Bouba. Au cours de leur bref instant de partage, une initiative formée toutes les personnes de la cour royale aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sa Majesté, le Lamido de Maroua, Bakary Bouba, fidèle aux initiatives novatrices, trouve en ce geste de l'IAI une opportunité salutaire. Voilà, le DG vient de nous promettre qu'il y aura quand même une marche ici au niveau de Lamida. C'est vraiment c'est quelque chose qui est très important. Et nous autres maintenant, là, ça veut dire que tout le monde va être outillé pour affronter la vie. Cette dévotion d'Armand Claude Abanda à étendre la connaissance, mieux la maîtrise des outils du digital aux gardiens de la tradition se conforme à la vision du chef de l'État à investir sur le numérique pour l'émergence du pays à l'horizon 2035.